Monsieur Potter, bonjour. Ekuvap est triste aujourd'hui. Il ne peut plus vapoter. Eh oui. Et pour quelle raison? Sa résistance vient de lâcher. Mais non, Vicky Ekuvapoteur. Ekuvap toujours une solution. Et la solution, c'est de remonter la résistance électronique pour la cigarette. Vous allez voir comment on va faire. Je vais vous montrer ceci. Donc déjà, pour remonter une résistance sur une cigarette électronique, il vous faut du Quintal. Moi, j'utilise celui-ci. Je trouve qu'il va très bien. Il n'y a pas de problème avec ce quintal-là, donc je prends du 26 GA. C'est très bien. Ensuite, il vous faut une paire de pinces. Petite pince comme ça. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut ceci pour tirer votre coton. Pour vous aider aussi pour faire d'autres choses. Et il vous faut ceci. C'est pour vous monter votre résistance. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment on fait pour monter une résistance sur la cigarette électronique. Donc vous prenez votre Cantal, vous coupez un petit morceau de Cantal, voilà, comme ça. Donc moi, je sais que je vapote environ à 1 ohm. Donc je vais faire environ. Donc c'est pas environ, je vais faire 7 tours. Donc je passe, vous voyez, là-dedans, comme ceci. Voilà. Je m'arrête là et je fais passer légèrement autour. Après, je vais prendre mon calibreur. Alors, le diamètre de ceci est de 2,5. Parce que vous voyez, vous en avez plusieurs sortes. Là, c'est du 3. Moi, je m'en sers pour des autres. Là, c'est du 2, c'est plus petit. Là, c'est du 1. Et là, c'est du 1,5. Voilà. Donc, je le mets à haut bord, je mets mon calibreur comme ça et nous allons faire 7 tours. Vous voyez, c'est simple à faire, regardez. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois que c'est parti, ça va tout seul. Voilà. J'appuie un petit peu. Je vais l'écarter un petit peu et puis je vais vous faire voir ça. Vous allez voir. Voilà. Donc après, je la démonte. Donc pour la démonter, vous enlevez ça, cette partie. Vous enlevez ceci. Parce que tout à l'heure, vous l'avez vu toute montée. Mais ça se démonte. Voilà. Et voilà. Donc après, vous la mettez comme il faut. Vous voyez que vous la sortez elle est comme ça, donc ça va pas très bien. Donc, vous la remettez bien comme il faut. Ce que je vais faire, moi je la mets bien sur l'extérieur, comme ça. Alors je m'aide le calibreur, je le mets à l'intérieur, comme ça. Là, je suis sûr que ça bouge pas. Voilà. Ouais, elle est pas mal, hein? Regardez. Voilà. Donc après, je remets ça là-dedans. Je donne un petit coup pour bien la mettre comme il faut. Voilà. Là, elle est encore mieux. Voilà. Donc maintenant, il suffit que je démonte l'ancienne. Donc ça, c'est une résistance reconstructible. D'accord? C'est l'élève qui le fait. Ça va pour les istiques picots. Ok? Donc, vous allez sur le site de l'EF, vous verrez exactement ce qu'il en est, comment elles se présentent. Elles sont bien. Donc, en fin de compte, je vais la démonter, ma base. Voilà. Ensuite, j'enlève ça. Voilà. Donc, vous voyez, elle est morte. Elle est noire de noir. Donc, ensuite, vous démontez la partie de dessous. Donc, vous avez
ceci, voilà, ceci, hein, rose wear, voilà. Et vous avez le caoutchouc. Donc le caoutchouc, ce que je vous recommande, c'est de l'enlever avec délicatesse, parce que le caoutchouc est vraiment, vraiment, vraiment fragile. Faut vraiment l'enlever. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Et voilà. Le caoutchouc, il est là. Et ma résistance, là voilà. Donc j'avais déjà enlevé le coton. Hein. Je voulais regarder, vous voyez, elle est morte. Elle est noire de noir. Donc, voilà. Donc vous vous retrouvez en fin de compte avec cette partie, cancer reconstructible. Cette partie. Voilà. Ensuite, vous avez donc le dessous, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, sans oublier notre petit caoutchouc. Voilà. Donc maintenant, nous allons remonter la résistance à l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai deux pattes. Les deux pattes, je les passe à l'intérieur de celui-ci. Hein. Voilà, donc, je les passe à l'intérieur. Voilà. Non? Ben voilà. Alors, voilà. Regardez. En voilà une. En voilà deux. Et je repasse mon calibreur à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et je viens le positionner de chaque côté. Voilà. Ben, vous voyez, comme ça. Hein. Voilà. Et là, je le pose dessus. Voilà. J'ai les mains qui sont un petit peu grasses, qui glissent. Donc, ce que vous faites maintenant, une fois que vous avez fait ceci, donc pour l'instant, elle n'est pas bien au milieu. On la mettra au milieu tout à l'heure. Ce que vous faites, vous avez les deux parties là. Donc, là, vous avez une fente. Vous la voyez? Vous passez premier à l'intérieur de la fente. Et bingo! Comme par hasard, je fais la vidéo. Et qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça tombe. Voilà, ça. Il n'y a rien d'étonnant. Rien, rien, rien d'étonnant. Donc, on prend. On met ça là-dedans, comme ceci. On le remet. Ça vous permet de bien voir comment je procède. Voilà. Là. Voilà, donc, on croit. Ah, je ne vois pas. Vous voyez pas. Moi, je vois, mais vous voyez pas. Donc, ça, je le passe à l'intérieur. Comme ceci, voilà, vous voyez dans la fente. Voilà. Ok, une fois que c'est dans la fente, vous passez le caoutchouc à l'intérieur du second. Vous avez le second, vous passez le caoutchouc et le caoutchouc, vous le remettez de sorte. Vous verrez que les caoutchoucs, ils ont un petit, on le voit pas de toute façon sur la vidéo. Hein. On voit pas. Donc, c'est un petit carré donc qui s'emboîte à l'intérieur de celui-ci. Normalement, je suis bien là. Voilà, là je suis bien. Voyez, regardez comment ça se présente. Donc, vous mettez un à l'extérieur. J'en avais un qui sort de là et l'autre qui est à l'intérieur du caoutchouc. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est remonter donc le cul de la cigarette électronique. Donc, je vais le remonter. Toutefois, ça veut passer. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Si, pourtant. Ici, ça va très bien. Ici, ça va très bien. J'ai l'impression que ça force un petit peu, parce que d'habitude, ça force pas bien. Voilà. 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 Donc, ça se présente comme ceci. Un à l'extérieur et un à l'intérieur. Ensuite, vous coupez donc les parties qui restent. Donc ici, là, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut une petite pince. Et là. Voilà. Donc là, elle est montée. Vous voyez? Maintenant, je vais enlever mon embout là. Voilà. Regardez. Elle se présente comme ceci. D'accord? Donc je vais la recentrer légèrement. Pour qu'elle soit à peu près au milieu. Donc il faut y aller avec délicatesse. Hein. Parce que sinon vous cassez tout. Hein. Généralement je le fais bien avec ça, mais ça passe pas. Elle est trop décalée. Donc je vais le faire avec ça.
Oui. Je vais la ramener légèrement. Voilà. Oui, elle est centrée. Elle est pas mal, hein? Elle est jolie, ma résistance. Moi, je la trouve bien. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, moi, ce que je fais, c'est que je le remonte. Parce que sur le Cantal, vous avez toujours des petits dépôts qui peuvent traîner. Et quand vous allez vapoter, ça, vous allez les avaler. Donc, c'est pas très conseillé. Donc, moi, je la remonte. Et je vais la faire chauffer. Pas longtemps. Juste pour que toute la petite merde qui se trouve va partir. Donc, je monte ma cigarette électronique à 75 watts. Voilà. Vous voyez, je suis à 75 watts. Et elle ne va pas marcher. Vous voyez, j'ai 0, 0, 0. Donc, il y en a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais la redémonter. Dans le fond, ça tombe bien. Comme ça, vous voyez exactement les problèmes qu'il peut y avoir. Quand ça vous marque 0, 0, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, entre autres, qu'est-ce que ça peut être? Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter de enlever doucement, parce que vu que vous avez coupé, vous risquez d'être embêté. Ça vient peut-être de mon caoutchouc. Généralement, ça peut être ça. Je vais le remettre positionné comme il faut. Non. Ah mince, mais c'est que vous voyez pas. Moi, je suis bête. Je me mets un peu bas et c'est que vous voyez pas ce que je fais. Voilà, donc, non, j'espère que ça va marcher. Et bah alors, ah bah, regardez, ouais, tout est revenu. Donc on va essayer de remettre la résistance, de remettre le caoutchouc. Faut que je remette ça. On refait. Il faut prendre son temps, hein, de toute façon. Hein. Vous allez voir, au début, vous allez faire comment je fais alors. Hein. C'est pareil. Hein. Bon, d'habitude, moi, la différence, c'est que j'y arrive très rapidement à le faire. Et là, j'y arrive pas aujourd'hui. Ouais, il y a des jours. Des jours qu'on y arrive, des autres jours qu'on y arrive moins. Et là, c'est le jour où j'y arrive moins. Ah, et puis, c'est pas vrai. Hein, ça veut pas venir. Hein. Eh, oh, tu vas pas m'exciter là parce que j'ai envie de vapoter, moi. Eh, mais bon. 2 minutes. Hein? Voilà. Sinon, si vous n'y arrivez pas, moi je vous conseille, vous recommencez tout. Hein. C'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Et des fois, c'est vraiment pour une connerie qu'on s'embête. Elle ne veut pas rentrer. C'est pas normal, elle ne veut pas rentrer. Elle ne veut pas rentrer. Et plus on s'énerve, moins on y arrive. Mais bon. En direct, hein? Pour ça que j'arrive pas, hein? Voilà. Non. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Donc, l'autre, il s'est pris sur le côté. Ouais, il y est. Lui, je vais rentrer à l'intérieur. Remettre bien mon truc comme il faut. Des fois, pour une toute petite bricole, ça peut. Peut déconner. Vous voyez rien, vous. Moi je vois, mais vous voyez rien. Voilà, là je pense que c'est bon. Là j'y suis. J'y suis. Je vais remonter donc. Ouais, c'est ça aussi l'avantage quand vous voulez essayer de voir si ça marche. Avant toute la montée, voilà. Là elle y est. Elle est remontée. Donc je la remets dedans. Je vais monter ma cigarette électronique à 75 watts. Et là. Ah, vous avez vu qu'il y a une petite fumée qui vient de sortir. Oh là là, regardez-moi ça. C'est long. Mais qu'est-ce que c'est long. Quand vous voyez que ça remarche. Donc là, elle marche, hein, d'accord. Je vais la redémonter. Et nous allons passer. Ah, il y a une chose que j'ai pas vous dit, je vous ai pas dit qu'il fallait également. Il vous faut.
du coton japonais. Oui, il vous faut ça, du petit coton japonais. Donc, vous coupez une petite bande avec un ciseau. Ouais. Une fois que vous êtes coupé la bande, vous roulez finement le bout. Vraiment finement, parce que vous voyez, c'est du 2,5. Donc il faut que ça rentre quand même dans du 2,5. Voilà. Donc on passe à l'intérieur. Et dans le trou, en fin de compte, de part en part. Hein. Voilà. Voilà. Bon, ma résistance n'est pas bien centrée, vous voyez, mais bon, je le centrerai à la fin. Peut-être même maintenant. Pas trop la toucher non plus. Vous voyez, voilà. Là, elle est centrée. Là, j'ai mon coton. Voilà, j'ai mon coton qui est mis correctement. Je remonte cette partie-là. Donc, sur les reconstructibles, ça se prend très bien. Et voilà, c'est pris. Voilà, donc ma résistance, là, elle est finie. Donc, maintenant, je vais couper de chaque côté ce qui dépasse. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je fais ça avec comme ça. Il y a du coton qui dépasse de chaque côté. Vous avez le coton qui passe à l'intérieur. Et maintenant, très important, ne pas oublier, c'est de l'imbiber. De l'imbiber. Donc, vous l'imbibez un petit coup là. Un petit coup de ce côté. Un petit coup à l'intérieur. Voilà, qu'elle soit bien imbibée. Voilà. Et une fois qu'elle est imbibée. Bon. Normalement, ce que je fais, c'est que j'attends bien 10 minutes. Il faut qu'elle est montée. Donc, n'oubliez pas, surtout ceux qui ont des esticots, de vérifier l'intérieur. Parce que là, c'est le trop-plein. C'est qu'en fin de compte, vous avez votre liquide qui se stocke là-dedans. Donc, nettoyez-le, pensez à le nettoyer régulièrement parce que c'est pas bien ça après. Donc, voilà, je remonte. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cette opération, vous remontez votre mélo 3. J'avais du produit dedans. Ouais, j'ai pas de produit. J'ai pas besoin de le recharger. Elle vient de lâcher donc. Ensuite, je redescends. Je vais mettre à 20 watts. Donc j'ai fait 7 tours. On se souvient que j'ai fait 7 tours. Avec tous les problèmes que j'ai eu aujourd'hui pour la montée. Enfin, vous avez vu qu'on peut avoir des problèmes avec. Ça vous a montré comme quoi on pouvait avoir des problèmes en montant les résistances des cigarettes électroniques. Voilà. Donc là, je suis à 0,87. Donc ça va, moi, je vapote à peu près en 1 ohm à 20 watts. Et voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi-les. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Et puis de vous abonner à ma chaîne également. Voilà. Sur ce, amis vapoteurs. Passez une bonne soirée. Et excusez-moi pour les problèmes qu'on a eu pour monter cette résistance, mais voyez, ça marche! Bonne soirée!